Le frère d'enfant Ulrich Donald. Il dit, regarde sa tendre enfance. Il dit, depuis ma tendre enfance, entre parenthèses, 22 ans. Non, mais est-ce que 22 ans, c'est ta tendre enfance? Il dit, depuis ma tendre enfance, entre parenthèses, 22 ans, je souffrais d'une attaque très humiliante. J'urinais au lit. Oh, ça c'est quel diable. Ma famille a essayé durant toutes ces années plusieurs astuces pour me libérer de cette attaque. Consommer du gombo cru. Mais j'ai dit, hein, où est-ce que les Camerounais ont pris que le gombo t'empêche de faire pipi au lit? Vous avez déjà suivi les témoignages, vous entendez le gombo. J'ai consommé du gombo cru, limité l'eau que je buvais, mais en vain. Je ne pouvais pas dormir hors de la maison familiale au risque d'uriner chez des inconnus. Et j'avais toujours très honte de cette situation. Lorsque je me retrouvais en compagnie de mes camarades d'âge, fatigué de cette situation, j'ai pris part à un culte ici à l'église et j'ai été installé aux urgences au mois de juin 2023. Et sur ma plaque, c'était écrit « Fais pipi au lit ». Ce jour-là, papa m'a imposé les mains sur la poitrine et il m'a dit « Tu es libre ». J'ai senti une chaleur envahir tout mon être dès qu'il m'a touché et tout au long de la journée. Je savais que je suis libre. Et il dit « Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait pipi au lit ». Amen. Tu as quel âge? Tu as? Cette année, 23 ans. Ah, donc tu as ce problème depuis ta tendre enfance. Donc tu faisais pipi au lit jusqu'à 22 ans. Et depuis juillet que le Seigneur t'a touché, c'est fini. Juillet jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as plus jamais fait pipi au lit. Si tu te lèves et dis Amen. Ce qui t'a humilié, c'est fini ce matin. C'est fini. C'est terminé. Hey, Donald. Et il dit, le Seigneur a mis fin à 22 ans de honte et d'affliction. C'est pourquoi je viens, le cœur rempli de reconnaissance, dit merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits accomplis dans ma vie. Le bon monsieur, c'est fini. Asia, c'est fini. Maintenant, tu peux crâner. Maintenant, tu peux même dormir dans les colonies de vacances. Acclame le Seigneur. Bonjour, bonjour. Je suis le frère d'enfant Ulrich Donald. Je suis le frère d'enfant Ulrich Donald. En effet, depuis l'âge que j'ai 22 ans, chaque fois que je dormais dans la nuit, il y a des fois que je dors et je me réveille le matin et je vois que j'ai pissé sur moi. Et ça me fait très mal, très bizarre. Et maintenant, moi, je ne sais pas comment faire pour que cela s'arrête. Et ça, alors, à l'un d'un culte ici, à la gendarmerie de Mendon. Et je me suis fait enregistrer. Et loin de Dieu, le prophète, il dit de pouvoir prier pour moi. Il m'a touché, a senti quelque chose, envahi mon corps. C'est alors que je suis maintenant libre. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tout, et ça fait que je ne peux pas aller dormir quelque part, même chez quelqu'un. Je ne peux pas aller dormir quelque part. Chaque fois, il faut dormir seulement, je dors à la maison. Et maintenant, elle m'a proposé de manger le gombo cru. Et j'ai mangé cela. Et ça n'a rien fait. Tout ce que j'ai demandé de faire pour que ça s'arrête, j'ai tout fait. Ça n'a pas donné. Et tout ça. J'ai mangé tout. Et entre temps, moi, mes participants, quand il y avait les chantiers, les vacances comme ça, je partais travailler. Quand je partais travailler comme ça, dehors, je dormais comme une semaine. Et entre temps, tu pries seulement que oh, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ou soit pissé, ou soit pas pissé, Dieu sait qui c'est. Entre temps, comme ça, je suis allé travailler les chantiers là. J'ai dormi là-bas. Et le matin, j'ai vu que j'ai uriné sur moi. Pendant 3 jours comme ça. Et maintenant, quand le type avec qui il travaillait là sur ça, le gars m'a menacé, il m'a tapé jusqu'à. Moi, je ne sais même plus. Et il m'a demandé de rentrer chez moi. Que pourquoi moi j'ai fait ça? Elle dit que mais moi je ne sais pas comment ça vient seul. Est-ce que je ne sais pas parce qu'il y a la nuit quand il dort toujours ça vient. Et maintenant je me suis fait inscrire aux urgences en 2023. Et maintenant vous qui avez des problèmes, que quand soit le problème de votre maladie, quand soit le problème, et vous avez pris de venir ici à la gendarmerie de Mendon, que quand soit la maladie, l'oppression que vous avez, venez ici. Loin de Dieu va prier pour vous et ça va aller.